Royopiop, les petits amigos, on vient de fabriquer avec Marlou tout ce qu'il faut. Attention, il y a une espèce de gros pélican là, je me méfie d'eux là. On vient de fabriquer tout ce qu'il faut pour un piège à griffon. On est suivi par ce putain de fjordauk là, qui veut pas nous lâcher. Alors c'est un peu pesant, il a pas l'air très agressif, mais il nous casse les couilles. Et on a un compte à régler avec... C'est quoi ça là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a non, deux pélicans là. Ah, ça recommence! Ouais, c'est des pélicans là. Ouais, mais il attaque la Suzanne et tout le monde! Viens là, toi, espèce d'abruti de Colette là. Oh! Calme-toi. Putain, mais ils font chier ces bêtes là. Résultat des courses, l'autre con il s'est envolé encore là. Ouais ouais. Ouais bah restez par terre, vous êtes bien. Toi viens là, toi Naruto là, Marlito, pardon. Viens là. Y'en a un autre pélican. Encore? Ouais, il m'attaque à moi. Il m'a volé quelque chose. Ouais, il te vole la bouffe. Mais j'en avais pas sur moi. Oui, oh, il a volé celle de mon oiseau. Ouais bah attends, on va le calmer hein. Où il est? Là où tu... avec moi. Voilà. Il a pris une praline. Oh putain, mais il y a l'autre qui me fait chier là. Je sais pas où t'es. Il est mort. Ah bah bien fait pour sa gueule. Et pile au dernier moment parce que j'avais plus de stam. Alors on est un peu lourd. Pourquoi est-ce qu'on est un peu lourd? Un peu lourd parce qu'on a de la viande en trop. Son cadavre il tombe pas. Il faut qu'on trouve le bon endroit pour aller... Pardon, pour aller poser le piège à... Ou alors on le pose à côté de l'ancien. Mais je sais pas. Bah du coup j'ai récolté de la peau et de la chitine. Mais ouais, bordel, moi j'ai de la barbac. Ah bon bah tiens, j'en mets là dedans. On fout 17 là dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On pose le piège à griffon à côté du piège à machin là-haut. Ou est-ce... Ouais, c'est bien placé. Je hein, me souviens plus où était le griffon. Est-ce qu'il était loin? Un peu plus bas, on peut aller le poser un peu plus bas au pire. Ouais, mais là où on est, l'avantage là-haut, c'est qu'il n'y a pas de bête nocive. Ouais, bah, pose-le là-haut, je sais où est-ce que c'était. Ouais. Ah bah attends, on va aller voir ce qu'on peut faire. Je me mets sur le côté. Ouais. Pose-toi, toi. Putain, mais qu'il est con ce bestiau là. Ah, il va se poser là où je veux mettre le piège, bravo. Nickel. Donc le piège, je vais mettre l'entrée en décalé cette fois. Ici. Normal qu'il soit tout là-bas ton truc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est pas bien cuit, mais bon, pas grave. Avec le mettre. Oh non, pire. C'est le foot, toi. Donc ça, ça se fait comme ça. Donc là, il va falloir qu'il rentre en latéral. Ah, mais non, j'ai fait le con. Ok, donc lui, il va arriver par là. Donc on va mettre comme ça. Allez. Voilà. Ensuite, on va mettre la trapiote en haut. Voilà. D'accord. On va remettre un truc comme ça. Ici. Voilà, très bien. Et on va mettre la porte. Comme ils sont cons ou quoi? Je vais la mettre là, la porte, arrêtez de m'emmerder. Putain, c'est pas possible au monde. Il veut pas me mettre la porte en bas, j'y crois pas. Putain, j'ai été obligé de tout redémonter. Et merde. Putain. Heureusement qu'il y a de la pavasse.
Plus une porte. Voilà. Voilà, c'est assez bizarre comme piège, mais on l'accepte. Ok, le piège est prêt. T'as récupéré toutes tes affaires? Yes. Bon, alors par contre, faudra arriver cette fois-ci dans ce sens. Par là. Oh putain, mais l'autre, il aurait pas pu se poser encore plus près de la falaise. Bon, quand tu veux, on peut y retourner. Allez, là. Donc il faudra qu'on arrive par ici. Hein. Comme ça. Par là où on part, ouais. Ouais, voilà, et on se pose là-dedans. Normalement, normalement c'est censé le bloquer. Et donc c'est là en bas, au bord de l'eau, que je l'ai trouvé, le griffon. D'accord. Bah écoute, viens prendre ça déjà. Ouais. C'est cool qu'il y ait ça, franchement. Bah ouais, ça sert à rien, mais bon, c'est rigolo. Et ça te fait, tu vas voir en bas, après t'as le truc... Ouais, t'as un bonus. Ouais, un bonus XP pendant 600 secondes. Ça y est, nouveau niveau disponible. Ouais. Bah là c'était ici en bas. Alors, est-ce qu'il est revenu faire le cours dans son secteur ou pas, ce connard? C'est marrant, on dirait du marécage ici. Non, c'est des terrains. Ah, il y a un ponton là. Ah, il est là, il est là, il est là. Je le vois. Je me pose. Ouais. Pareil. Je vais regarder. Dans notre dos là, il y a au bout de la rivière, il y a un lac avec un ponton, c'est très très joli. Ah ouais? Ah oui. Oh, c'est un niveau 8. Oh ouais, dis donc, niveau 8, on va le faire instant. Ah, je t'attends. Je suis là. Hop. Tu y es? Tu me vois? Ouais. Attends-moi là-bas, je vais le chercher. Il est juste là. Oh ouais, niveau 8, on va pas... Attends, c'est lequel? Parce que lui, c'est pas un niveau 8. C'était lui, là, le niveau 8. Ah merde, j'ai un problème. Quoi? J'en ai deux. Ah. Ah oui, là, t'es... Okay. Il y en a un qui va lâcher plus vite que l'autre. Vas-y, j'accélère, j'essaie de la stab. Non, viens, on sauve. Et il y en a un qui va lâcher. Le dernier va lâcher normalement. Tu te rappelles dans quelle direction faut aller? Non, pas du tout. Si, à gauche. À gauche? Ouais. C'est bon, il y en a un qui a lâché l'affaire. C'est pas à gauche? Pas du tout à gauche, Fred. Ah bon? C'est le long de l'eau. Faut que tu suives l'eau sur ta droite et tu suis le long de l'eau. Ah ouais, faut que je revienne dans mon dos. Ah oui. Ouais, mais lui là, je le vois, il m'emmerde. Ouais, c'est bon, c'est le niveau 8. Allez, je le reprends. Bien, gros, c'est là-bas. Allez! En fait, faut que t'ailles vers l'arbre géant là qu'on voit au loin. Ouais, ouais. Tu vas avoir la... Tu me vois là ou pas? Non, mais après j'ai pas une vision très loin moi avec mon PC. Non, mais je la vois là, je vois la cascade et je vois la montagne. Ouais, ouais. Le problème c'est que vu que. Ah ouais, j'en vois un griffon. Ah non, c'est un argentable, merde. Pourquoi? Putain, mais quel connard! Il est joueur, hein. Va vite au piège si tu peux. Ouais, j'y suis quasiment.
J'espère juste que mon terrain va pas se faire attaquer. Ouais, mais le plus loin possible. Ah, je vais essayer de le mettre, tu sais, dans le piège, dans l'autre piège, vu qu'ils peuvent pas y rentrer. Hop. Voilà, pas bouger, j'y suis au piège. Où il est l'autre? Il y en a un qui est parti, j'en vois un. Donc, je reprends qui ma stab. Dans l'autre sens. Allez, reviens, arrête de faire le con là, tu m'emmerdes là. Mais qu'il est lent, mais qu'il est mou. Ah, on voit que c'est un niveau 8, putain. Tu me suis? Il a l'air d'être dedans. Il est dedans. Il a fait pour sa gueule. Oh, t'as aimé ça? Allez, flèche. Viens là toi, Georgette. Allez, j'en ai plus des flèches. Ah bon? Ouais, à toi. Fais gaffe qu'il soit pas en te suivre. Non, normalement non. Fais voir Georgette ce qu'elle est en autre option. Elle est en fuite passive. Bien. Par contre, il a bouffé une boule de poil ou ça se passe comment? Ouais, mais lui, il est un peu poitrinaire. Toi. C'est un tuberculeux, lui. Ah ouais. Fais gaffe, ça doit être un truc, une variole spéciale. Ah ouais, par contre 20 flèches, je sais pas si ça va faire la maille. Mais si, largement. Attends, tu rigoles ou quoi? L'argental, j'en ai mis beaucoup plus, beaucoup moins que 20 flèches. Hein. Il y avait plus de niveau. Ah ouais, mais c'est un argentavis. Hein. Ouais, mais là, c'est une bestiole. Là, c'est un connard, ça. Regarde comme il se met sur le dos, là. Il veut que tu lui grattes le dos. Ouais, vas-y. Ouais, je vais lui gratter le dos, connard. Mais bon, il a passé la tête par la trappe, cette espèce d'abrutite. Ouais, dehors. Il y a le deuxième qui arrive. Ah putain. Le deuxième, j'ai pas vu quel niveau il était, mais. Ça avait pas l'air d'être un rigoleur. Par contre, il va falloir la barbac de bonne qualité là, non? Ah, je pense. Il va pas le canner. Il a... Non, il a pas de sang sur les ailes là. Non. Mais par contre, si la torpeur pouvait faire effet. Bah, ça serait bien, ouais. Tu l'as pas loupé ta flèche? Non, non. J'ai vu passer un truc au-dessus de lui. Non, à chaque fois ça fait 20. D'accord. Par contre, des flèches, il m'en reste 8. Attends un peu que ça. Ah ouais, on va laisser agir. Ouais. Il est vénère, hein? Ouais, assez, ouais. Vas-y, dors là, j'ai plus rien en flèche, il me reste 6. C'est fragile. C'est toujours des emmerdeurs ces putains de griffons. Ah là, il a l'air stable. Allez, dors. Ouais, le problème c'est qu'il va, à mon avis, lui, il va en bouffer de la, des bocaux de narco. Oh, tu veux pas dormir, gros con? 3 flèches, il me reste. Je vais être obligé d'en. Tu peux en refaire, toi? Bah, j'ai pas de narco sur moi. Mais j'ai des flèches. Ah, oui. Moi aussi, j'ai des flèches. Si tu divises un peu tes narco. Tiens, viens là, viens là, viens vers moi. Ah, bah oui, alors ça, c'est malin, ça. C'est sans danger, Marlou. Tu les as pris, c'est bon? Allez, dors, t'es fatigué, tu vois bien que t'es fatigué. Tu m'as donné toutes tes narcos ou... Non, 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 bah heureusement. Ah bon. Fais-en 5 par exemple. Ah bah stop alors. J'en ai fait 10. Ah bah voilà. Attends, moi il m'en reste une, je vais lui mettre. Attends. Eh, hey, quand je te dis que ça veut pas tomber, c'est merde. Hein. Là, ils essayent de se barrer. Ah vas-y. Viens lui en mettre dans la tête, il est en train d'essayer de se sauver. Je voudrais pas le tuer. Ah, oh, il a pas l'air de saigner trop.
Je vais le frapper moi s'il le faut. Fais gaffe, il se tourne vers toi. Ouais ouais. Ah, ça y est, il dort. Il est mort. Oh la gueule qu'il a quand il dort. On l'a tué, il est dead. Non. Si. Non. Bon, ça va. Inconscient. Putain, quel connard celui-là, il nous emmerde. Hein. Bon bah ouais, j'espère qu'on aura de quoi faire. Et bah maintenant il faut qu'on aille chercher de la bonne barbac. Comme tout à l'heure. Ah, c'était pas gagné. Par contre je sais pas à quelle vitesse lui ça va descendre sa stam. Ça... Oh putain non, laisse tomber. Oh, on n'y arrivera jamais. Ah ouais. Ah bah là il a déjà perdu une barre là. Bah sinon moi j'ai de la... Va chercher de la bouffe et je reste là et je lui colle des trucs. Ouais, laisse le descendre un peu mais Ouais. Putain, j'ai 39 barbacs moi sinon sur moi si besoin. Ah mais il va pas faire de la viande de qualité. Bah ça serait mieux d'en avoir mais je vais pas réussir je pense à faire de la viande de qualité tout seul, c'est l'ennui. Et là on est... si on se barre les deux, l'autre... Je vais voir, je vais faire l'opportuniste. Ouais. Déjà j'espère qu'on aura assez de narco pour le tenir endormi. Surprise. Ce qui est pas fait. Je tombe sur un cadavre, un truc comme ça, ça serait bien. Ah bah lui, il est comme un con là. Chouette qui est en train de m'attaquer encore. Hein? Oh, il a encore plus des trois quarts de starter. Ouais, ça va, ça descend vite hein. Je vais pas rajouter encore. Par contre, je suis étonné, il a pas modélisé le combat. Merde! Qu'est-ce que ça fait? Bah, je suis tombé dans l'eau et c'est ce qu'il fallait pas qu'il m'arrive. Oh, y'a peu que je vienne. Oh putain, des raies électriques. Je crois que je vais canner. Et je vienne. Non, attends, je vais essayer de m'en sortir, mais je suis pas sûr d'y arriver. Si, si, je suis sorti de l'eau. Par miracle. Mais où est mon oiseau? J'ai perdu mon oiseau. Où il est, ce connard? J'arrive. Il est direct. Attends, il y a une raie qui est en train de... Je suis dans la flotte. Ah non, mon oiseau il est là-bas. Attends, je vais essayer d'appeler mon oiseau s'il veut bien m'obéir. Vers là où on a tué l'autre truc tout à l'heure. Ouais, ouais, voilà, ouais, au même endroit. Ouais. Brandon. Bon, ah, c'est bon, il y a en la Georgette qui est là. C'est bon, je suis dessus, je suis sauvé, j'abandonne le Brandon. Trop dangereux. Mais tu vois, j'étais juste à côté de toi. Oh putain, je me suis retrouvé dans la baille avec des raies électriques qui me piquaient le cul. Parfait. Le problème c'est qu'il nous faudrait vraiment un griffon pour faire de la barbac parce que là on n'a pas les... Bah sinon on lui met de la barbac normale, hein, qu'est-ce que je te dis? Ouais ouais, non mais j'ai peur que ça soit long. On va essayer, hein, de toute façon on verra. On va voir s'il a déjà bouffé en endormissement lui. J'en ai rajouté 5 là. Ouais. Et... Ouais. Est-ce qu'il a faim? Un peu. Écoute, on va essayer de lui mettre de la barbac. Attends, je vais regarder s'il n'en reste pas dans ma bestiole, moi, des fois. De la haute qualité? Non, il n'y en a plus. Écoute, on va essayer de lui mettre de la barbac normale, on verra bien. Tiens, mange ça, gros. Ouais, 10%. Pas violent. Je vais essayer d'aller refaire des narcos. Ouais, mais moi, je reste là, je le surveille. T'en as sur toi encore des narcos? Ouais. Ouais, j'en ai 12 en plus. Bon bah écoute, je vais essayer d'aller en refaire. Je vais lui en coller quelques-unes là, voilà, histoire d'être tranquille. Et je vais prendre le temps d'aller boire parce que j'ai soif. Ah ouais. Allez. 64. 12, bah putain 12, c'est pas violente. J'y retourne.
Putain, il s'est réveillé. Non. Non. Ça me semblait un peu tôt quand même. Ouais, oh, la Suzanne, elle a fait un œuf. Oh, il a 20% là. Ah ouais, ouais. Et il a bouffé combien de narco? Il en reste 30 dans lui. Ouais, ça va être j'en ai 12 sur moi. Non, ça va aller. Allez, ça va aller. Bah après, normalement, voilà. Après, on pourra commencer d'attaquer sévèrement la viande de haute qualité, donc ça ira plus vite. Ouais, il est à 30%. Parce qu'il est vrai que faire de la viande de haute qualité avec des ptera, bon, c'est optimiste. Ouais, faut être opportuniste surtout. Voilà, il faut que la bestiole soit moitié crevée. Faut déjà. Que ça se passe bien, quoi. alors là, j'en ai que 13, d'accord. Comment ça se passe? Écoute, il me reste 27 narcos. Et il est à 40. Et il est à 40%. C'est un bon début. Ah, mais t'as le suivi de Tam, ouais. Non, mais je disais ça. Ah, à l'œil. Ça, la Colette. Alors, la Colette, qu'est-ce qu'elle a de beau dans son inventaire, la Colette? Elle a de la bouffe. Un tour de bras. Eux, est-ce qu'ils ont encore de la barbaque là-dedans? Est-ce qu'il faut en ramener de la viande? Non, parce que. Une viande, ça lui fait 10%. Il en reste 34 dedans. Ouais, non, ouais. Pour pas qu'elle daube, quoi, je veux dire. Ouais, et puis le griffon, ça va peut-être pouvoir nous permettre d'attaquer des bestioles à fourrure et pour nous faire des vêtements. Exact. Des vêtements à fourrure. Je vais lui remettre de la vie à mon terrain, il le mérite. Bah, c'est sûr que des cavernes comme ça, comme on a juste en dessous d'où on a fait le piège, là, si on en trouve ailleurs, c'est vite fortifié. Hein. Ah oui. Tu fais juste un mur avec une grosse dinoporte et tu fous tout dedans et merci, hein. Tranquille. Et sur cette map, je sais pas si je t'avais dit, normalement il y a une caverne avec des portails qui mènent dans des univers parallèles, ouais. Tu me l'as dit, ouais. Putain, j'ai eu peur. Moi, n'a pas peur, va bien aller. J'ai vu. Alors lui, il a un peu de barbac sur lui. Ouais, tiens, tu vas en donner la moitié. Oh. Moi, je lui mets pas tout de suite dedans parce que si jamais il y a une couille ou qu'il se fait tuer. C'est dommage. Tu sais quoi, on va même en enlever. On va en mettre que 16 pour le moment. Alors, tu dors, gros sac. Ouais, faudrait qu'on arrive à trouver une viande de haute qualité. Ouais. Une carcasse. Une bestiole décédée. Il n'y en a pas un qui voudra avoir l'idée de crever dans le secteur, là. Bon. Ce qui est bien, c'est quand ils sont attaqués par les alphas, ils peuvent pas les manger, en fait. Mais trouve un alpha et tu fais le perroquet. Tu le suis. Est-ce que t'es venu voir sous l'arche là récupérer ton niveau là? Sous la cascade. Ah non. Eh bah écoute, ne t'en prive pas. Vas-y. Ouais, mais je surveille sur. Oh vas-y, je le surveille, je suis là. Ah, alors la grosse cascade qui est à droite là. Il y a une petite arche, tu regardes dessous dans un repli, tu verras, il y a un truc rouge normalement. Il me semble que c'est là que je l'avais vu. Non, à ta gauche tout de suite direct, en dessous de nous là. Ah. Ah oui, là, ok, je suis pile dehors. Est-ce que tu le vois? Yes. Ah, bien. Okay, hop. Oh mince. Ah, mais t'es même pas obligé de descendre pour l'avoir. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence, mais vu que je l'ai ramassé avec mon oiseau, ça a donné un niveau à mon oiseau. Ah bon? Et pas à toi? Si, aux deux. Ah bon, ça va alors. Mais je sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Je ne sais pas, dur à dire. Ah, mais il a pris deux niveaux, le machin? Non, mais il a pris deux niveaux en faisant la bagarre et tout, là. Il a pas fait la bagarre. Ouais, tout à l'heure il a fait la bagarre comme un con en haut là. Putain. Allez, Griffounette là, c'est quoi Griffounette? C'est un quoi? Ah, sexe indéterminé. Ouais, c'est ça. On l'appellera tête de con lui, parce que c'est une tête de con. Ouais. Putain. Allez, réveille-toi là, qu'on aille faire un tour de griffon là. Couillon de la lune. La nuit tombe. Babylabux.
Comment que ça va, Bobby Dabux? Allez, ça dort. Allez, bouffe, gros naze. Ouais, une sacrée sale tête. Oh, mais les cristaux, t'as vu comment ça brille la nuit? Ouais. Cristaux radioactifs, ça. Ah putain, on est en train de se geler. J'ai le glaçon. Merde. Putain, faudrait pas qu'on canne. On a de quoi faire un feu? Non, mais ça peut se faire. Pour le moment, la vie baisse pas, mais je suis inquiet. Parce que lui, il a 83 là. Ah, ça va quand t'as la torche, apparemment. T'as pas froid. Ouais, ouais. T'as une torche? Oui. Bien. Là, j'ai plus le glaçon. Bah, c'est quoi ce boulot? Il a plus rien du tout dans son inventaire, c'est quoi ce bug? Bizarre. Faut mettre de la barbac? Ah, mais. Comment ça se fait que j'avais tout dans mon inventaire? C'est toi qui as pris dans ton inventaire? Mais non, mais j'étais sur un autre jeu en même temps. Putain, ça se trouve les... Ah, je sais. Quoi? Attends, j'en mets plein de narcos. En fait, sur l'autre jeu, j'étais en train de tester un truc et j'ai utilisé ma manette. Et en fait, elle a ouais, dû interagir avec ce jeu. Oui, je crois que ça le fait avec Ark, ça. Des fois, ça agite. Ah ouais, j'étais dans l'autre jeu. C'est un peu le bordel. Ah, l'autre il avait plus à bouffer, cette espèce de conte. T'as plus le glaçon là si je te mets la torche? Non, 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 là je l'ai pas là. Ouais, c'est bon, il va être fini là dans rien de temps. Je lui mets le feu au cul là. Ouais, vas-y, je reprends les narcos. 37 narcos il nous reste. On en avait 20 paquets quand même. Hein. Ouais. Ah, il y en a pas fait. Attention, il va se réveiller bientôt. Mais il est qu'à 75. Hein. Mais non, il est redescendu ou quoi? Il était à 80? Ah, bah il est à 75,8 là. Oh putain, il était à 80 et des mèches. Merde, c'est moi, 85,8 là. Ah ouais. Ah, c'est parce que je lui ai enlevé les trucs, ça. Il était pas Peut-être content. Que quand il avait pas à manger, il était pas content, ouais. Ouais. Bon, bah, on va lui remettre quelques narcos dans le cornet alors. Ouais. Histoire d'être sûr, très content. Ah, bah, ouais, là, non, ça serait dommage un peu, là. Ça va le glaçon, là? Ouais, ça va, je suis pas mal. Non, mais moi je l'ai le glaçon alors que j'ai la torche. Pourquoi pour faire un feu? Par contre, ça va être tout décalé maintenant. 85, il va être à 95, cet abruti. Ouais. Il nous emmerde. C'est vraiment une... Lui, ça sera vraiment été une tête de con jusqu'au bout, je crois. Oh là là, les aurores, c'est Boréal. Ouais. Boréal de Madrid, bien sûr. Exactement. Évidemment. Allez, mange, mange, mange. Je fais ça. Putain, niveau 8, heureusement qu'on n'est pas parti sur du niveau 50. Hein. Bah c'est clair. De Dieu, oh. Déjà rien que pour l'endormir, il nous en aurait fallu je sais pas combien. T'sais. Un gros paquet. J'en ai peur. Allez, mange gros sac. Attention. Allez! Allez, viens là, gros con. Est-ce qu'il va réussir à sortir? Non. Ah, il arrive pas? Alors, par où il va falloir qu'il sorte? Par l'autre côté? Ah, il est sorti. Il est un peu balourd, le gros, hein. Ouais. Attends, déjà, on va le mettre.
en autres options. Déjà, on va lui donner un nom, ce connard. Statut neutre. Ok. Attends, changer son nom. Non, je peux le faire. C'est bon, on va l'appeler tête d'eau. Il le mérite, ça ne bouge pas. Ah, largement. Tête de con. Voilà. Eh ben, on va le ramener. Il va nous suivre, non? Oh oui. Bien. Oh putain, mais il fait une fumasse, lui, laisse tomber, quoi. Ah, mon terrage, les gars, il a encore fait un jour, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ah oui. Il est 57 maintenant. Alors, où est la maison? On va voir la maison. J'ai pas les pleins phares sur le terrain. Ah non, 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 on y voit zéro. Bon, c'est une réussite. On a réussi. Non sans mal. Putain, oui. Il suit, ce crouillon? Ouais, il suit. Mais là, va pas falloir qu'ils aillent tous décoller, là. Bah, normalement, non, il est à nous. Je serais presque tenté de tous les monter dans la caverne, là-haut. Ah ouais, mais il y a les rampants. Les rampants, ils vont jamais vouloir monter. Là. Bah, ça dépend si de... Griffon peut les porter. Ouais, déjà, est-ce qu'il voudrait pas se poser à la place de faire de la poussière là? Putain! De nuit, laisse tomber. Où il est? Ah bah au bord de l'eau. Il est là, il est bien. Ouais, Suzanne, elle est là, tout va bien. Parce que. Ouais, je sais pas, faut voir. On sait rien. Oh merde, la torche. Je sais pas. Oh putain, mais il y a encore le petit perroquet là. Putain, mais lui il veut pas lâcher l'affaire. Bon bah les petits amigos, c'est une réussite. On a apprivoisé la tête de con de l'année qui nous en aura fait voir un peu quand même cet abruti. Mais il est à la maison. Et on va pouvoir se lancer prochainement dans le tourisme, trouver un joli endroit pour habiter et voir ce qu'on peut faire. Alors portez-vous bien. Mangez sainement, de la bonne barbaque de haute qualité, et à la prochaine. Et méfiez-vous de ces connards perroquets là, je le sens pas celui-là.